vous ne devez pas aller chercher ailleurs autre personne qui n'est pas vraiment reconnue dans ce domaine. C'est pour cela que c'est important. Donc, pour faire un travail scientifique, de s'appuyer donc sur les résultats d'aujourd'hui, les résultats d'hier, afin de pouvoir vous aussi produire quelque chose qui certainement demain sera consulté et sera discuté. Et ceci, comme j'ai dit, va vous permettre de tenir une réflexion personnelle. Mais une réflexion personnelle scientifique, rigoureuse. C'est important quand même qu'on fixe ces
Certainement, les enseignants sont beaucoup plus
Ce n'est pas à l'encadreur de travailler sur ça. Il va vous donner juste une orientation.
comprendre les concepts, avoir une idée. Avant même d'aller sur la rue de littérature, il faut que vous puissiez vous guider sur votre sujet. Et ce sont les premières recherches qui vont vous permettre tout ça. Donc il faudra savoir identifier les sources d'informations dont vous avez besoin. Donc c'est pour cela que ici, les grandes lignes sont donc identification des sources, utilisation des outils de recherche et la réévaluation de l'hypothèse. Voilà, je disais ce que je disais tout à l'heure, les années et les retours. Vous vous êtes fixé quelque chose aujourd'hui à 8h. Entre 8h et midi, vous avez fait des recherches. À midi, vous vous rendez compte que ce que vous avez avancé à midi devrait être le produit. Et c'est comme ça qu'on avance dans mon travail de recherche. Mais si le travail de recherche est figé, dites-vous bien que 90% vous êtes en train de vous en faire. Le travail de recherche va être un travail dynamique. Et c'est la recherche, c'est la lecture. En tout cas, ce qu'on appelle les sommités, en tout cas des repères dans ces domaines qui vous permettront de dire que j'avance bien. Donc, la deuxième étape, c'est l'identification vraiment des sources d'information. Et là, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas carrément dans l'écriture, dans la rédaction, nous ne sommes pas encore allés loin, donc de revoir cette étape. Les encyclopédies, les dictionnaires sont là pour vous aider à mieux comprendre votre sujet. Le dictionnaire est synonyme de l'étudiant français pour comprendre vraiment les descripteurs et autres, mais les encyclopédies pour comprendre carrément le concept sur lequel vous voulez. Et à la bibliothèque centrale, vous avez la possibilité de disposer d'encyclopédies sur divers domaines. Finance, économie, sociologie, sur divers domaines. Et nous avons même accès en ligne à la revue. Il y a une revue très intéressante, très encyclopédique. C'est l'encyclopédie. La revue encyclopédique, nous l'avons en ligne. Encyclopédie. Nous avons une encyclopédie en ligne. Donc vous pouvez y accéder et c'est des mises à jour. Ce sont des revues qui ont des mises à jour. Donc vous permettre d'avoir une recherche même active et actuelle. Donc la deuxième étape, c'est cela. La troisième étape, collecter et trier des documents. C'est l'étape de prise de notes. Vous pouvez lire un document. Vous avez certaines idées sur ce document. Vous voyez, il y a certaines idées qui me captent. Ne le prenez pas dans un premier temps pour dire que vous allez le mettre dans votre travail. Mais gardez-le en référence. Après l'étape d'identification des sources, vous verrez si ce document est parti des sources identifiées ou pas. Vous voyez, vous faites une revue de littérature, il faudra beaucoup lire. Maintenant, dans ce que vous allez lire, il n'est pas dit que vous allez prendre tout. D'accord. Donc, à cette troisième étape de collecte, c'est en ce moment que vous allez enlever et si vous départir de cette étude. Vous dites non, ça ne m'arrache pas, ça ne prend pas de ce que vous recherchez. Et vous allez aller, vous êtes en train de circonscrire votre sujet, de circonscrire vos recherches. Voilà les documents dont j'ai besoin. Voilà. Maintenant, il peut arriver que vous n'ayez pas le document souhaité dans un premier temps.
Son micro, c'est bon. Yeah.
Sont la méthode classique.
C'est-à-dire que vous avez la note de bas de page qui est signalée, l'entrée qui est signalée la note de bas de page. Il y a la méthode numérique. Au lieu de signaler textuellement le nombre de ou bien la référence en note de bas de page, au lieu de signaler le nombre de sur la note de bas de page, il met des numéros. Et en ce moment, vous verrez sur ce document, ça sera un document numérique. Les notes seront numériques. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la fin. Et sur la liste bibliographique, c'est en ce moment que nous mettons là dans les références. Donc, il y a une méthode beaucoup plus actuelle, beaucoup plus nouvelle, c'est la méthode autodoxe. Où, juste après la citation, on met entre parenthèses, on met le nom de l'auteur et l'année de publication. Même dans certaines rubriques, on met de la page. Tout cela pour permettre à ceux qui lisent le document qu'ils puissent avoir une référence s'il faut aussi consulter le document pour lui recommander. Ouais. Donc voilà ces trois méthodes les plus utilisées. Il faut en utiliser d'autres, mais dans le monde universitaire, comme je dis, ce sont ces trois méthodes. Et surtout la dernière qui est actuellement autodoxe. La méthode classique, la source est mentionnée dans des notes de bas de page. Donc c'est une méthode qui est surtout utilisée au niveau des arts, des lettres, dans le domaine de la philosophie et de l'histoire. En tout cas, c'est des sciences sociales. Et ce sont les anciens documents. Ce sont les anciens documents. Mais actuellement, de plus en plus, c'est la méthode autodoxe que l'on voit de plus en plus sur le terrain. La méthode numérique, comme j'ai dit tout à l'heure, on essaie de numérer entre parenthèses, entre crochets, ça dépend, après chaque citation directe ou paraphrase. Et à chaque numéro correspond à une référence, bibliographique, complétée à, au niveau de l'entrée de chaque. Donc la méthode autodoxe, comme j'ai dit, donc c'est une méthode qui est actuelle, qui est utilisée surtout dans les sciences exactes, mais quand même, donc, comme si les sciences sociales aussi l'utilisent comme les sciences de l'éducation. Donc c'est le dernier temps à se généraliser. Quelques autres méthodes. Quelqu'un a rencontré une autre méthode de signalisation. C'est bon? Donc, ce qu'on note dans le travail, l'empreuve qu'on note dans notre travail, c'est ce qu'on appelle la citation. La citation, c'est quoi la citation? C'est une empreuve. C'est-à-dire, nous allons prendre le propos de quelqu'un et nous allons le remettre dans notre travail. Donc, nécessairement, il faudra le citer. Je vais revenir sur des raisons. Je vais citer. Ce n'est pas votre production. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Certainement, vous avez les mêmes idées. Vous pensez la même chose. Mais tel que c'est libéré, c'est lui qui vient de le dire. C'est lui le premier à le dire. Parce que vous, vous l'avez constaté et vous ne l'avez plus. Donc, quand vous venez le reprendre, il faut le signaler. Maintenant, il va arriver que vous avez les mêmes idées, que vous ne reprenez pas les mêmes mots, la même formulation, mais que vous voulez étayer votre idée. Vous vous basez sur son idée pour dire comme a dit tel, d'après tel, selon tel. Et là, cela a un autre aussi appui, cela conforte votre idée, cela donne du degré à votre, à ce que vous dites. Quand vous prenez un message, un discours, un propos de M. Foll, qui est un simple agent de l'Université de Casson-Berger, par rapport au propos du médiateur de la République, ouais, il y a une différence. Et surtout,
Quand vous parlez du domaine du droit, il ne faut pas prendre les propos de M. Paul. Quand vous dites que M. Paul, les gens vont dire que M. Paul est quoi? Mais il est conservateur, peut-être qu'il a un certainement. Mais est-ce qu'il est spécialiste du droit? Non. Mais le médiateur de la République, c'est un spécialiste du droit. Donc quand vous vous référez sur ces idées, voyez la différence. Donc quand vous vous référez sur les idées, référez-vous sur des idées qui sont vraiment portées par des sociétés, par des intellectuels reconnus dans le domaine, par des spécialistes. Donc la citation de la reprise exacte, donc deux passages. Deux phrases par phrase, ou bien un paragraphe. Extrait d'un document, que ce soit support papier ou support électronique. Maintenant, il y a deux types de citations. Il y a ce qu'on appelle les citations longues, il y a ce qu'on appelle les citations textuelles d'abord, les citations textuelles, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous reprenez les mêmes mots, la même formulation de l'auteur, et c'est une citation textuelle. Maintenant, elle peut être courte comme elle peut être longue. Elle peut être courte, c'est juste un groupe de mots, c'est juste une phrase. C'est considéré comme une citation textuelle courte. Elle peut être longue, c'est quand c'est devenu un paragraphe. Vous êtes d'accord déjà sur ce que je dis? Je suis en train de me fatiguer là, je parlerai que j'ai déjà fait tout. Et si je dis des bêtises, vous dites rien. C'est bon, je vais continuer. Donc la citation indirecte ou paraphrase. Donc la première citation, c'est la citation textuelle. La deuxième citation, c'est la citation indirecte ou paraphrase. Là, vous ne prenez pas des mots de l'auteur textuellement, mais vous essayez de paraphraser son idée. Vous essayez de reformuler sa pensée pour éviter ce qui est signalé en bas. Excusez-moi, monsieur. Pour éviter le dernier point et qui fait vraiment danger dans les universités, surtout à ce niveau, le plagiat, pour éviter cela, pour éviter qu'on dise que vous êtes en train de paraphraser quelqu'un. Il faudra dans la citation, si vous avez obtenu une citation d'idée, de dire, de signaler celui sur lequel vous appuyez sur la citation. Donc, une citation indirecte ou par texte, lorsqu'on en emprunte une idée ou un commentaire à un auteur, la paraphrase et la reformulation d'une idée provenant de l'autre côté. Donc, vous l'avez vu, vous avez convaincu. Mais vous voulez l'attaquer autrement. Et pour cela, pour que les gens ne disent que ce qu'il dit, je l'ai entendu quelque part ou bien j'ai lu autrement d'ailleurs. Donc, vous dites carrément, c'est ce que j'ai lu, et c'est comme ça que je l'entends. Eh bien, voilà ce que je pense de ce qu'il a dit. Vous voyez. Et l'intérêt de faire cela, l'intérêt de faire vraiment cela, c'est que nous sommes dans un monde ouvert, où maintenant tout se partage à la bourse. Il n'y a pas lieu de vouloir dire que c'est moi qui ai créé cela, dans la mesure où, comme j'ai dit au début de mon propos, tout ce que vous dites, certainement, quelqu'un l'a déjà dit. Mais certainement, dans son époque et par rapport à quelque chose. Vous êtes en train de le dire, mais par rapport à votre époque. Et pour donner une densité à ce que vous dites, il faut signaler ce que vous avez vu. Et qui vous a soufflé une certaine idée pour que vous puissiez écrire. Donc, un, ça renforce l'impact d'un texte par l'expression d'un auteur, de quelque renommée. Donc, c'est important de chercher un auteur de renommée quand vous dites quelque chose. D'illustrer ce que l'on avance dans un travail pour appuyer le développement d'une idée. Donc, ça illustre votre travail. Ce que j'ai dit, il y a quelqu'un dans ce domaine qui a dit quelque chose de similaire. Et ça valorise votre travail.
parce que ça montre votre implication dans la recherche, votre engagement dans la recherche. Il y a des gens qui écrivent parce qu'ils sont doués, mais ceux qui écrivent parfois n'ont pas de référence. Ça ne sert absolument rien. Ce n'est pas la même chose de chercher qui a fouillé sur des documents importants et qui a sorti un écrit sur un écrit basé sur ces documents. Ce n'est pas la même chose. Cela confirme encore donc, la connaissance de votre projet, comme j'ai dit encore, l'appropriation de votre sujet, de votre problématique. Ça facilite le repérage des sources pour le lecteur. Donc quand on vous lit, vous faites des références, ça facilite parce que vous pouvez aussi chercher. Madame Soura a donné a écrit un article dans lequel il a cité tel juriste. Je ne vais pas me suppuire sur ce que Madame Soura a dit, mais je vais voir la référence sur laquelle elle s'est basée. Pour voir moi aussi autre chose, certainement. Donc c'est important de signaler ces choses. C'est important de signaler ces sources. Donc ça développe son expertise de recherche, mais surtout ça permet d'éviter ce qu'on appelle le plagiat. Là, je vais m'arrêter encore pour donner juste une anecdote que j'ai vécu à effectivement malgré. Et c'est à l'université de Saint-Jean. Là-bas, les choses sont calées. L'agenda est calé. De telle sorte qu'à chaque date, il y a quelque chose à faire. Quand il faut rendre le document, il faut le rendre, la plateforme est ouverte. Quand le délai est arrivé, la plateforme est fermée. Quand il s'agit de donner les mémoires, de déposer les mémoires, ils ont le agenda aussi, le logiciel. Le travail avec l'approbation de la carte.
prenez une partie. L'autre partie, vous l'avez coupée. Le coup de la retourner. Vous venez chercher autre chose. Ouais. Il n'est pas le seul à écrire cela. Essayez de voir ces références bibliographiques. Essayez de voir cela, ce qu'ils ont dit. Essayez de vous faire vous aussi quelque chose. C'est important. Donc, quand vous êtes à la rédaction, pensez à cela. Je ne sais pas si vous devez. Sinon, on peut se disposer de cela pour le moment. C'est un échec qui coûte cher, mais l'université responsable de la crédible de l'Europe. Et ce que je dis aussi, ce n'est pas un secret. Entre 2000 et 2000, entre 2010, 2010 et 2020, à l'université, nous avons constaté cela sur les mémoires. Nous, à la bibliothèque, nous avons des mémoires que nous avons tous ça, nous n'avons pas les publiés. Nous les avons mis à côté parce que c'est des mémoires. Comment on dit? Ce qui a changé, c'est le nom. Elle avait de l'expérience. Et cela a échappé aux enseignants. Mais certainement, après, ils ont vu cela et ils sont en train de vraiment refaire beaucoup de choses. Mais entre 2010 et 2015 et 2020, il y a pas mal de choses qui se sont passées dans les UFM. Dans
est-ce que la travail là-dessus? Est-ce qu'il y a une opposition entre ces deux sujets? Est-ce qu'il y a une comparaison? Est-ce que c'est un complément? Tout cela, les gens devraient le faire au niveau de l'UFR, au niveau des universités. Avant même de se baser sur maintenant, sur ces logiciels de réflexion de l'espace. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un travail que nous devons faire, nous tous. C'est pour cela que monsieur le directeur disait tout à l'heure, au niveau de la mêlée, de l'université de Manager, nous sommes sur le projet de dépôt institutionnel. Mais nous allons proposer une partie où nous allons mettre thèse en cours.
de le signaler. Et surtout de mettre l'année. C'est important. Mm-hmm. Ça montre la progression de l'idée du chercheur. La progression des idées du chercheur. C'est mon ami. Mais c'est ouvert. C'est bon. Pertinent de citer qu'on
un mémoire
Vous avez pris notre barbage.
pour mettre ça dans le texte et dire que ce sont les mots de l'auteur? Non. Ce ne sont plus les mots de l'auteur. Ouais. Donc c'est ce qui fait que là, il faudra être fidèle. Et c'est ça aussi l'honnêteté intellectuelle. C'est ça aussi l'honnêteté intellectuelle. Oui. Thank you.
Ça
premier chapitre, c'était la définition du document, d'accord, de manière générale. Également, en définissant le document, on en a profité pour donner la spécificité du document scientifique. Et il a bien fait. Et la deuxième chose, c'était la procédure. Moi, je vais juste me baser sur les normes. Les normes, là, pour parler de normes devant les juristes, on peut tiquer. Mais il n'y a pas de souci, je vais essayer de faire. Parce que les normes, c'est les juristes. 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas de. Voilà. Donc, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est comme ça que ça s'est fait au niveau international. De toute façon, nous, ce qu'on est en train de donner comme information, c'est ce qui est édicté dans toutes les. Voilà, dans toutes les universités. Donc, quelqu'un veut faire autre chose qui est différent de ce qui est fait. D'abord, par rapport à la première diapositive à laquelle je vais commencer, c'est les normes de rédaction. Et pour rédiger, il y a d'abord le contenant et le contenu. Nous, on va se focaliser sur le contenu. Sur le contenu, d'abord, vous allez tous rédiger ce qu'on appelle des thèses. Et pour une thèse, il faut une charte graphique. La charte graphique, c'est d'abord le logo, l'université et les couleurs de l'Union. On sait que Dakar, c'est bleu, blanc, avec le luxe mis à l'ex, à l'UGB, c'est le. À l'UGB, à l'IH, vert, blanc, bambé, etc. Chaque université a une charte. Raison pour laquelle, même les thèses que vous allez soutenir, faites de sorte que ces thèses-là soient sur la couleur de l'université. C'est très intéressant, c'est important ça. Et nous allons essayer de comprendre ça. Déjà, on ne met jamais une thèse dans un programme autre que Word. Ça, on le sait. Mais est-ce que tout le monde le sait? C'est la question. J'ai été interpellé en disant oui. Est-ce qu'on peut écrire une thèse sur un document Excel ou PowerPoint? Un mémoire, c'était un mémoire. Je ne le sais jamais, jamais, jamais. C'est toujours un texte. Deuxième chose, le texte, comment doit être le document? Il doit être pagé. Troisième chose, un plan équilibré. Et là, mes chers amis, on ne veut pas une partie. Une première partie, 14 pages. Une deuxième partie, 84 pages. Est-ce que le document est équilibré? Non. Dans une première partie, je passe sous le contrôle des juristes, grand A, petit a, section, paragraphe, etc. Il faut impérativement qu'on le respecte parce que j'ai fait le cours avec le professeur Bissard au niveau des premières. Donc lui, il fait la démarche de recherche, moi je fais la recherche. Chaque année, on fait ensemble. Troisième chose, les chapitres. Là, on parle de chapitres au niveau des ouvrages, mais on parle d'articles s'il s'agit des revues ou des journaux, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Le texte, comment il doit être écrit? 1, 12. Soit c'est Arial, soit c'est Times, mais il ne faut pas mélanger deux couches différentes dans un même travail. Jamais, ça je ne dis jamais. Donc c'est never, never, mais aujourd'hui je dirais jamais. On ne mélange jamais deux couches différentes dans un même travail. Et enfin, le reste, le texte doit être effectivement écrit avec des interlignes 1,5. Parce que pourquoi on le dit? Parce que quelqu'un peut faire, ah oui, moi je fais une thèse de 102 pages, alors qu'il a fait 2 plus 14. Si je fais 2 plus 14, je fais une interligne 3. Avec un petit texte, je peux avoir 400 pages pour être standard, pour être homogène, harmonisé. 1,5, 12, 1 ou Arial 11. Si on décide de faire Arial, c'est 11. Si on décide de faire Time, c'est 12. Maintenant, en tout cas, je vous suggère de faire Arial de Times 12. 1,5, justifier le texte. Et là, si vous le faites, vous aurez un excellent travail. Déjà, sur la forme. Parce qu'il y a des gens, comme l'a dit le doyen RH, il y a des collègues, ils regardent juste la forme. Comme on dit souvent en Wolof, la manière dont vous présentez mieux vaut ce que vous présentez. Parce que vous ne prenez jamais du riz au poisson avec des sept et du yard, vous mettez ça dans une bassine. Personne ne mangera ça. Mais si vous prenez une tiers, vous ne m'adressez pas bien préparé avec une assiette, des cuillères, et là, automatiquement les gens ont envie de manger. Donc, vendez votre projet avant même que ce soit dû. Troisième chose, l'intégration du texte.
je suis dans un pays francophone. Malgré Ben Smaki, c'est un bon anglophone. Surtout ceux qui font les sciences économiques et de gestion. Ben Smaki, fundraising, c'est des mots empruntés. Il faut toujours les mettre en plus. Les citations doivent être placées entre guillemets. Ça, on ne va pas y arriver. L'utilisation des chiffres arabes. Attention, il y a deux types d'utilisation. De l'introduction à la conclusion, c'est là votre tâche. Oui, mais il y a beaucoup, oui, je vais faire une dédicace de 4 pages. Je remercie ma maman, mon papa, mes enfants, mes oncles, jusqu'à avoir 4 pages. Et là, vous dites que ce travail-là fait 102 pages. Non, ce n'est pas 102 pages. L'introduction, c'est la page numéro 1. À la conclusion, page X, c'est fini. Maintenant, toutes les autres pages, vous les mettez en chiffres. Ah, parce que ça ne fait pas partie du travail. Donc, vous en chiffres. Arabe, c'est 1, 2, 3 jusqu'à la conclusion. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est bon. Ça, c'est le génie. Souvent, les gens se trompent. Là, c'est des choses basiques, mais c'est standard. Le titre. Ma thèse porte sur l'économie et la gestion au niveau 2. C'est en 20. Mettez tout sur 20. Le titre là, c'est en 20. Times New Roman, au lieu de 12, mais c'est pas. Ouais. Forme suivie, numéro d'ordre de la promotion, année universitaire, près de mon air, 10 stagiaires. Vous êtes le stagiaire, c'est toujours à gauche, et le guide à droite. Le patron, il est toujours à droite. Maintenant, après, vous allez mettre le jury, le président du jury, les membres du jury, les représentations, les correcteurs, de par chaque thèse, différente d'une université, d'une discipline à une. Maintenant, l'essentiel est d'approcher vos collègues de la bibliothèque ou bien de quelqu'un qui a déjà soutenu la thèse, prenez cette sa page de garde, et là vous allez pouvoir faire le travail comme il faut. J'ai donné un exemple d'une page de garde. Là, le numéro, vous l'avez tout comme. Est-ce que vous vous rendez compte de ce numéro? Une thèse toujours comporte un numéro. Ah oui. Ce numéro-là, je pense que c'est au niveau central, c'est Sira qui a tenu ce numéro. Raison pour laquelle on dit avis de soutenance. Donc il y a deux types de thèses. Un test d'exercice et une test d'état. Donc, à l'UGB, je pense qu'on ne peut pas des thèses de PhD, je ne sais pas, je ne suis pas toujours. Mais il y a deux types de thèses. Il y a un test d'exercice et un test d'état. Raison pour laquelle vous ne voyez jamais une autorisation de soutenance de la thèse de la faculté des sciences de santé. Parce qu'eux, ils font ce qu'on appelle une thèse d'état. Alors, vous faites une thèse d'exercice. Donc, peut-être tout cela, il y a un décret qui dit tout ça. Il y a le décret. Sur les LMD 2012, lisez ce décret. Je vous exhorte à lire ce décret, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et là, vous voyez, année de soutenance. On me dit souvent, mais est-ce que l'année de soutenance correspond à l'année qu'on va soutenir ou l'année à laquelle on a commencé le travail? Vous avez commencé le travail en 2019 et vous allez soutenir en 2025. C'est bon? Ah, très bien. Autre chose, il faut qu'on aille essayer d'aller vite. Le corps du travail. D'abord, on commence par l'introduction. Comment il doit être? L'introduction, ne vous en faites pas. C'est la même que vous avez. En tout cas, hormis les sciences spécifiques comme les sciences juridiques, mais par contre, toutes les autres introductions, faites essayer, c'est la même. Parce qu'une introduction, elle comporte trois parties. Nous tous, on a l'habitude de les dire. Contextualiser. La méthode de l'entournoir, on parle du général au particulier. Si je dois parler de diabète, la santé mondiale, je pars jusqu'à parler de diabète, qui est une maladie non transmissible, MMND, maladie non transmissible. Là, si je parle de monnaie, la monnaie, c'est d'abord c'est l'économie ou la gestion. Les économistes, dites-moi, c'est l'économie, très bien. Donc, je parle de l'économie mondiale, l'économie de l'Afrique, jusqu'à la monnaie. Après, si je parle de monnaie ménagère, et contextualiser mon sujet en faisant quoi, ce qu'on appelle présenter le sujet spécifique et enfin annoncer le plan. C'est très intéressant. En premièrement, nous avons. En deuxièmement, nous avons. Secondo, après, avant le secondo, hein? Primero, secondo. Il faut vraiment des mots très simples. Il ne faut pas dire oui, je suis en thèse, donc je viens changer de culture. Non, vous ne cherchez pas, je vois qui est. N'est-ce pas? On est en thèse, on est en première, on est en catégorie. L'écriture. Ouais, regardez ici. Claire. Explicite. C'est pour laquelle mon doyen, mon frère m'a dit, je
idée. Je vais au marché. Quand je vais au marché, je vais au marché pour acheter des légumes. Après avoir acheté des légumes, je vais acheter tard. Tout ça, c'est aller au marché. Après avoir allé au marché, je vais aller à la supérette. Au niveau de la supérette, c'est une idée. Une idée, un paragraphe, des idées. Chaque idée, pour chaque phrase, sujet, verbe, complément. Vous allez mettre des idées d'autrui, c'est juste pour confirmer ou pour infirmer quelque chose. Je dois mettre une idée d'autrui pour confirmer ou pour infirmer. Mais le reste, c'est pour aider. Vous n'avez pas besoin de choses. Parce que notre travail, si ça confirme plus de 80% des citations, c'est pas bon. Notre travail, ça doit minimum comporter 20% des citations. Tout ce que vous avez dit d'autres, c'est 20% maximum. Ce que vous avez dit vous-même, les actes qui sont meilleurs que les pièces, ça je vous le dis tout de suite.
Deuxième, quatrième, vous avez tous les éléments de référence.
prescription, séance appliquée, il y a tout le temps des revues. Côté, essayez d'avoir au moins 10 revues dans votre liste. Et là, vous allez mieux comprendre ce que c'est. En tout cas, mon cher, si une revue, si un article n'est pas publié dans une revue sérieuse, sachez que cet article n'arrive pas en article. Quand on parle d'article, c'est parce que cet article-là, c'est comme si quelqu'un qui veut dire ouais, je suis né sans père ou mère. Il y en a. Mais est-ce que, depuis que ça a été fait une fois, est-ce que ça a été refait? Que de la norme. Donc, raison pour laquelle, si vous voyez ici la norme, c'est pour un article.